commence. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que tu vas très bien. Oui je sais, je parle un peu mal parce que je suis sorti du dentiste et je me dis merde, oui en plus je dois tourner un café collector. Et ben ça a l'air très drôle de voir une bouche un peu défoncée quand le dentiste y sort. Et qu'en même temps le chef fait le bordel, ça m'est un peu stressé. Aujourd'hui on va faire un café collector parce que sinon je vais attendre 3 ans pour que je l'aurais jamais fait. Ce café collector, on est bien d'accord, par contre avec la lumière c'est vrai qu'il faudrait que je mette un peu de lumière. Voilà, hop, je mets un peu de lumière parce qu'avec la sombre que vous voyez c'est mon ombre de moi. On a chopé, je vais plutôt dire j'ai chopé une PS1. Mais PS1 comment dire. Alors vous dites ouais, j'ai vu la vidéo. On a vu la vidéo sur sur ce événement à Cash Converter à Vendeuvre. Donc oui, je cite les lieux de Nancy, voilà. Que j'ai chopé pour 149€, hein, dites-le-vous. PS1. Alors pour ceux qui regardent même, je veux dire même, pour ceux qui regardent même là, qui n'ont pas regardé la vidéo de l'événement, je vous conseille d'aller regarder. Voilà, c'est une PS1 US. Alors, c'est écrit End. Voilà, et en plus c'est écrit et machin, iparenta et. Oui, parce que. Aux US, hein, il n'y a pas que le. Voilà, il y a le français parce que c'est les Canadiens, bien sûr. Et espagnol pour le Brésil, bien sûr. Donc, on va ouvrir cette bébête ensemble. Donc, c'est parti, voilà. Vous voyez peut-être bien, alors je vais peut-être vous montrer avant de là. Voilà. Je sais pas si vous voyez peut-être bien, mais je crois que vous voyez. Ouais, le dessus. La côté. La frange de côté. Voilà. Le dessous. Voilà. La face. The face. De côté. Et l'arrière. Dont les jeux. Hop, si on va bien. Focus. Il m'a pas mis l'auto. Il m'a mis quoi lui? Ah putain, il m'a mis le manuel lui. Voilà. Donc là, c'est fait par la coupure, bien sûr. Donc avec les jeux, voilà. Impeccable, voilà. Donc voilà, donc les jeux, impeccable. Donc on va ouvrir, c'est parti. Hop, hop. Donc, avec un petit truc en bois, en carton. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? La manette DualShock PS1. Très nickel, franchement. Voilà. Tester ça quand il y aura un jeu. Oh, t'es gâchette, ouais. Ouais, je vois, hein. Très bien que je teste avec l'excellentissime Gran Turismo quand je le recevrai dans quelques jours. Donc c'est pour ça, le petit spoil est déjà sorti. Alors, nous avons quoi? Comme disent nos amis les Canadiens, les Québécois, voilà. Le power supply, hein, ouais, l'alimentation. Alimentation, chez eux, c'est vrai que c'est cool, Eclipse. Voilà, Eclipse. Alors, du 120 à 620. C'est du 110, moi, que j'ai. 110 à 610. Ouais, je pourrais mettre. J'espère que je pourrais le mettre. Le manuel, voilà. Je vais laisser là-dedans. Les câbles que je laisse bien sûr. Et on va sortir la beauté. Hop, je vais enlever ça. Voilà. Voilà, donc cette petite PS1. Voilà. Qui est voilà avec son écran. Bien sûr, avec son petit écran LCD. Alors, si je précise bien, un écran LCD de 5 pouces, bien sûr. Donc, cool, c'est très très cool, quoi.
On va peut-être tester un jeu et on va peut-être essayer d'allumer. Donc moi je vous dis à tout de suite pour l'alimentation. Voilà. Voilà les amis. Avec mon convertisseur 200 à mon convertisseur US Jap, on peut jouer enfin de la PlayStation US. Voilà. Alors, on va tester la manette. Ça fonctionne. Le analogue, ouais, il fonctionne. Donc je testerai ça avec Gran Turismo. Je vais chercher une carte mémoire. Une petite seconde. Et on va mettre mon premier jeu. Alors c'est pas un jeu DualShock, c'est l'un des jeux des débuts de la Play. Je sais pas si vous voyez bien. On va hop, je vais mettre un, je vais essayer de dézoomer. On va essayer Viewpoint, un jeu de shoot connu sur la Neo Geo et qu'ils ont fait une version sur console. Sur PlayStation, je crois qu'il va être aussi sur Saturn, je sais pas de conneries. On va tester ça. Hop. On va essayer de redémarrer. Comment ça se fait? Alright. Lee. Ouais, essayons de voir si la console n'est pas pucée. Je n'ai pas regardé en dessous si un des étiquettes a été enlevé ou pas. J'essaierai bien de tester, voir si la console n'est pas pucée ou autre. Alors, press start, X, croix pour les difficultés. Alors, il y a des passwords, c'est vrai que le jeu là n'a pas de système de carte mémoire, à ce que je vois derrière. Alors, les settings, voilà, bon, c'était les problèmes net. On va se mettre en easy. Hop. Hop. Start. Alors, me passe CGG. Ah, c'est un peu la Zaxxon en fait. C'est un petit peu la Zaxxon en fait le jeu. Non. Oh, après voilà quoi. Ouais, franchement pas mal. Pas mal comme jeu. Et bon. Ouais. Donc voilà quoi. On va peut-être tester un petit truc. On va peut-être essayer. Je sais, mais je vais être. Les gens vont me dire, waouh, qu'est-ce qu'il va faire encore. On va tester. Alors, j'ai pas de jeu PAL. Malheureusement. Peut-être que j'en ai un. Ah non, j'en ai plus de jeu PAL. J'ai plus de jeu PAL, je crois. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. C'est d'essayer un jeu Jap. Voir si la console n'est pas pucée. Je vais prendre un jeu au pif. On va les défoncer. On va peut-être essayer Gran Turismo 2. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je sais. C'est parce que j'ai trop zoomé avec l'appareil. On va tester le Gran Turismo 2 en arcade mode. En sa version Play 1 Jap. Ah, c'est vrai que c'est un peu dur à fermer la PS1. Voir si la console n'est pas poussée. Voir si la console n'est pas pucée. Ouais, voilà. Please, PlayStation, format, un vidéodisque, insert. Donc, la console n'est pas en trop de pucée, mais
Elle est. Elle tourne elle-même en fait. Donc. On peut swapper. On peut faire le swap magique. Mec. Je peux swapper la. La PlayStation et jouer au format swap magique. Voilà. Vous savez quoi? Je vais couper. Je vais faire. Ou peut-être je vais essayer de faire la swap magique en même temps qu'avec vous. Ça me ferait chier un peu de mettre. De user un CD qui vaut près de 30€. J'ai pas envie de swap, faire le technique du swap, mais je vais essayer de swapper avec le viewpoint pour aller jusqu'au Gran Turismo. Je vais essayer. Je vais essayer et pour voir la formation. Vous voyez ce que je veux dire, le swap, on va essayer de swapper, voilà. Je vais essayer de swapper pour vous. Le chat, parce que tu me gênes. Merci. Donc, on va arrêter la console. Donc, dès au moment, l'accélération se... C'est vrai que je suis un peu nul. Hop. Here we go. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà, j'ai swappé. Avec Gran Turismo 2, donc voilà. Donc impeccable. Impeccable, cette PS2 est géniale, donc je peux swapper la console pour jouer au jeu là. Donc il faut que je trouve d'autres jeux de jeu. Peut-être des jeux, ou même des jeux CD gravés, ça pourrait peut-être faire. Ça pourrait être plaisant. Voilà. Donc, je vous dis, c'est un café collector magnifique que je viens de me procurer. Donc j'ai pas besoin d'aller tester Gran Turismo 2 en américain, voilà quoi, donc voilà quoi, vous aurez que ce café collector de cette PS2, que voilà, je peux swapper parce que le truc il a l'air bougeable, je me dis, oh putain, il y a peut-être un mec qui essaie de faire la swap, peut-être le swap, voilà. Donc vous n'aurez pas le droit aux musiques, voilà, des Carbians, Love This Game, hein, bien sûr. Play This Game, je sais pas, Love Play This Game, ouais. Ça, Carbians, voilà. Les Carbians, voilà. Carbians, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais le mettre en dessous le titre de la musique copyrightée, bien sûr. Hein. Je ne veux pas, voilà. Je crois que c'est Bangor, bonjour. C'est peut-être la musique. Alors, hop, start. Et je crois qu'on pourra jouer avec le DualShock. Alors. Ouais, c'est le DualShock. C'est cool, j'ai pas de deuxième caméra parce que j'aurais bien filmé la manette pour savoir si le DualShock marche très bien. Ouais, ça marche bien. Je vois les volants. Les roues qui tournent. Je vois les roues qui tournent bien. Voilà. J'aurais pas les musiques copyrightées de ce grand chef Gran Turismo 2 en version américain que je vois tout sauver peut-être vendredi. Hein.
Bon bah ça m'évite de. Voilà, ça m'évite de couper le temps en fait. C'est trop cool. Voilà, un café collector qui est un peu très long, je sais. Voilà. Là, je sens les vibrations du DualShock. Dédicace à Yenou là, DualShock, hein, aussi à Cyril 2.0, hein, dédicace pour la PlayStation, bien sûr. Hein. Les deux hommes qui adorent la PlayStation, temps réel bien sûr. Hein. Alors, ouais, c'est incroyable. Du coup, c'était le jeu qui te servait de deuxième DualShock et je crois que je peux pas avec les paramètres. Donc là, il marche. Donc ça veut dire que je pourrais jouer même un jeu de PAL, pour me préciser les amis, je pourrais jouer un jeu de PAL sur ma PlayStation américaine. C'est très beau, franchement c'est magnifique, c'est cool, c'est très cool. Je crois que je vais garder cette console à vie. Là je me suis fait une très belle achat, voilà, très très belle achat. Ce qui serait bien avec les streams, avec un statut HD, je jouerai avec la console. J'essaierai de me chercher une branchement SCART, la play direct en SCART, ça serait génial. Dans un SCART HD, ça fait un bail que j'ai pas joué à Grand Turismo, je me suis dit tiens, tu y aller. On va ici le petit démo. Donc, je suis très content. Là, franchement, je suis très content. C'est possible que je m'achèterais peut-être un jeu, un petit jeu pâle. Et je dédicacerais mon pote Thierry. Quand on en a parlé, il me dit, ouais, qui sait, peut-être la console est poussée ou autre. Et bah, franchement, c'est pas... Franchement, c'est bien tout beau, quoi. C'est tout beau de chez tout beau. J'ai même commenté à d'autres potes, dans l'ami GoGoX54 qui m'a vu ravager sur cette console. Avec un petit bandeau, un petit triplé, voilà. Voilà, la musique ne saute pas du tout. Hein. On entend bien les musiques en arrière-plan. En plus, on l'entend bien, hein, c'est du stéréo, hein, les haut-parleurs. Je suis zoomé au max, hein, si vous voulez savoir. Sinon, vous allez taper mon meuble, en direct. Qu'est-ce qu'on disait? Alors ouais, franchement, un collector de magnifique. Hein. Bon après, moi, je vais peut-être prendre la Polymega parce que Polymega, je crois que je peux pas streamer avec. Bon, je peux le dire, je peux pas. Je vais peut-être streamer. Je vais peut-être pas jouer longtemps avec. Bon si, je vais quand même. Mais là, ouais, c'est vraiment génial de jouer avec une console. Elle est pas poussée, il faut swapper. Donc la plupart des jeux. La plupart des jeux, je lui dirais, je vais avoir l'espèce d'erreur là, comme des erreurs, des piratages ou autre, là, je vais se dire. Donc je sens que peut-être. La rallye, je joue en automatique. Alors, attends, c'est un autre truc. On va aller au menu. Ah, ça c'est bon, voilà. Enfin, ce que je voulais faire, hein. C'est ce que je voulais faire, cette config avec le stick droit, hein, bien sûr. Hein. Hop, il va me... Ah, j'ai bien l'autofocus. J'aime bien l'autofocus. Voilà. Hop, on va essayer du rallye. On va prendre au pif. On va
peut-être mettre en rapidité. Ah, il y a quelqu'un qui rôde. Ah merde. Donc le rallye c'est plus facile. Ok, le stick droit il marche très bien. Ah ouais. Par contre là, ça, c'est peut-être plus. Ah, oh, peut-être plus sur un format de réglage. Non, pas du tout. C'est une course normale. C'est vrai que le rallye c'est pas jouable hein, pour un départ, mais là c'est pas jouable pour moi. On va essayer de faire une course. Voilà, easy. On a Lancia, tu vois. C'est un manuel. On va voir Racing. Ouais, c'est le même. Un speedring comme le même. Voilà, comme toujours.
Voilà, voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu sur cette PlayStation One, donc PS One, Combo Pack, bien sûr. Donc, du pack dit la console plus le LCD. Un accessoire franchement génial. Si vous avez vraiment envie d'y jouer en mode portable, si vous n'avez pas l'écran bien sûr, franchement un accessoire franchement parfait. Voilà, sur ce les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine.